bonjour à toutes et à tous, ici Masdarm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour More Power to You, qui est sortie durant la nuit du 27 août 2021, donc à savoir la version 0.2.2975.14835. Comme d'habitude, ce sont des versions à rallonge. Donc, mise à jour concernant majoritairement l'énergie, enfin du moins la production d'énergie, la transmission d'énergie, n'est-ce pas? Bref, oh! Je vais en reparler juste après. Nouveau système qui permet du coup de transmettre de l'énergie, de générer de l'énergie de nouvelles manières. Une mise à jour que je dirais étrange. Comment dire ? Donc là, je suis en train de tourner cette vidéo. Il est 7h50 du matin, le 28 août. Donc quelques heures avant que vous puissiez voir la vidéo au moment où je vais la sortir. Et déjà, quand j'ai fait des tests hier soir, il y avait des problèmes dans cette mise à jour. Donc je vais revenir sur ça juste après. Mais grossièrement, il y a des nouveaux systèmes de transmission et de réception d'énergie. Des nouvelles plantes particulières permettant d'augmenter le niveau de chaleur et de fraîcheur d'une atmosphère, on va dire. Une mise à jour un peu de performance. Également, une mise à jour expérimentale qui ne fonctionnait pas et que je vais retester avec vous. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Et voilà, donc on va pas perdre de temps. Dans la partie correctif, pour faire un résumé, pour faire un gros résumé, correction de bugs, de distance de vue, d'affichage, un truc assez particulier concernant ces fameuses plantes qu'on va voir juste après, qui ne sont pas disponibles à la création dans une partie standard, mais uniquement via le commerce. Je vais revenir sur ça juste après. Pour parler vraiment de l'ajout des nouveaux éléments, on va commencer par ce truc qui est magnifique, qui s'appelle simplement un laptop. Bien évidemment, je pense que vous connaissez, on appelle ça un ordinateur portable, c'est bien, tout le monde a suivi. Ordinateur portable de très grande qualité. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez le déplier, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez le poser où vous le souhaitez. Vous pouvez poser un IC directement dessus. Quand vous l'avez, ça fonctionne avec une batterie. Puis vous, voilà, j'ai mis une motherboard IC Editor. C'est littéralement comme un ordinateur normal, hein. C'est juste qu'en fait, celui-ci, vous pouvez le transporter. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Après, je n'ai pas encore le niveau pour faire de l'IC. Je pense que les gens qui font de l'IC vont potentiellement apprécier, sachant que dans la patch note, ils précisent que ça va être vraiment pratique pour modifier l'IC pour le petit Wally, là, le AIM. Franchement, je trouve que c'est un bon ajout. À vous de me dire si vraiment vous trouvez que ça très pertinent ou quoi. En tout cas, de mon point de vue, je trouve ça assez cool. Ceci. Donc ceci, c'est un transmetteur et un récepteur d'énergie. Donc ça se fabrique directement dans l'électroprint. Vous tapez transmetteur, vous l'avez ici, qui n'a pas encore été totalement renommé. Ça ne demande pas grand-chose, du gold, du copper et du steel. Vous voyez, c'est vraiment très 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 light. Et pour en revenir à ça, donc hier soir, j'étais en train de checker la mage. Donc à savoir, hier soir, on était le 27 août. Il était 10h à peu près, 10h du soir. Le bouton power... ça fonctionnait pas. On avait beau cliquer dessus, Elfima me l'a fait remarquer, l'a précisé sur le Discord de StasFinanceFR. Je suis de son point de vue, je ne comprends pas qu'un bug aussi, entre guillemets, débile n'a pas pu être remarqué avant. Sachant que c'est vraiment l'ajout d'un nouvel élément, donc c'est même pas comme si c'était un élément déjà présent et le bouton fonctionne plus, peut-être via une mauvaise manip. C'est-à-dire là, le bouton, vous pouvez juste pas cliquer dessus. J'avais beau cliquer, ça ne faisait rien. Donc, je vais le décorer en même temps qu'avec vous. Donc là, j'ai un RTG qui envoie du courant sur le circuit. On peut vérifier que le potentiel est de, logiquement, 4 kW. C'est ça, 4 kW. Donc, concernant le transmetteur, si vous vous servez du Stationpedia, il n'y a pas d'infos concernant la portée max. Donc, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais pour résumer, ça vous permet de transférer de l'énergie sans câble. Donc vous avez le transmetteur, vous avez également un récepteur, parce que si je tape transmetteur et qui se trouve ici, si je vous le sors, vous avez le module 1, vous utilisez la molette, donc là vous avez le transmetteur, vous avez le receiver, et ça tourne entre les deux, tout simplement. Donc logiquement, si j'allume, là je vais le découvrir en tant que vous. Ok, donc ça a l'air de fonctionner. Donc là j'ai mis le courant, c'est en on, donc à 4 kW de potentiel, j'envoie, ça arrive ici. Je ne sais pas si, je pense que si on met des obstacles, ça devrait bloquer. À vérifier. Alors attendez, ça c'est très étrange parce que là moi je ne sais pas encore tout de cette mise à jour bien évidemment, mais bon, quand je vois que j'ai un potentiel ici de 4 kW et que là en sortie j'ai un potentiel de 10 kW, ça me paraît un peu étrange. En tout cas, ça a l'air de fonctionner et surtout moi on va tester un peu la portée, parce qu'au début quand j'avais installé le système, je voulais voir si on pouvait aller loin et j'avais mis un système tout là-bas. Je sais pas du tout si ça a fonctionné. Voilà, on va tout démonter. Parfait, j'ai provoqué un petit message d'erreur. Donc là, ça ne fonctionne plus. Donc on va aller voir tout là-bas. Alors d'ici, il ne capte pas. Donc il faudra faire, je pense, des tests plus approfondis pour déterminer un peu la distance max à laquelle
on peut mettre le transmetteur et le receveur. Pour les orienter, c'est de la même manière. Donc vous avez une entrée power, vous avez une entrée data. Vous servez de la clé molette un peu comme les panneaux solaires et vous pouvez gérer l'inclinaison verticale, voilà, et l'inclinaison horizontale ici. Voilà, vous pouvez voir. Ça fonctionne assez bien et j'aime beaucoup le son. Je suis sur Mars, hein, donc c'est à noter, mais j'aime beaucoup le son. Avoir vraiment le potentiel sur la portée max qu'on peut utiliser, peut-être cette distance-là. À voir. Je pense que dans tous les cas, je referai une vidéo dédiée sur cet objet par la suite quand j'aurai plus d'informations à ce sujet. Parmi les autres ajouts importants, parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça, c'est ce truc-là. C'est la Stirling Engine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un moteur Stirling, de ce que je le connaissais vaguement, c'est un système qui... via une différence de pression dans des tuyaux, dans un système, une différence de pression, une différence de température, vous allez enclencher un moteur manuellement, entre autres par exemple, et via cette différence de pression, vous allez pouvoir générer un mouvement continu qui va générer de l'énergie. Pour faire très très simple, voici à quoi ressemble le Stirling Engine. Donc entrée, une entrée power, enfin je dirais même plutôt c'est une sortie power, une data, et vous avez une sortie un output de gaz et une entrée de gaz ainsi qu'ici un endroit pour mettre un gaz canister. Comment ça fonctionne? Par rapport à ce que j'en ai compris et par rapport au test que j'ai fait, vous devez envoyer du gaz à une pression élevée et une température élevée et il faut qu'à la sortie vous ayez une pression faible et une température faible. En fait, il faut que la différence de pression et de température entre l'entrée et la sortie soit, on va dire, le plus important possible sans rentrer dans les extrêmes parce que sinon après vous allez rentrer en sous-régime, entre guillemets, en sous-performance. Donc ce que j'ai fait là, c'est qu'on voit il y a vraiment très très peu de pression, je m'en fous un petit peu, mais surtout on voit une température assez faible. J'ai mis plein de radiateurs pour profiter de la nuit pour refroidir tout mon système. Je vais prendre un gaz canister. Alors les devs indiquent dans le patch note qu'il faut avoir un canister avec un gaz ayant le volume molaire le plus faible possible et par rapport au sheet qui est dans la description que je vous remets à chaque fois, le plus faible c'est l'hydrogène, mais on est à 20,4, l'azote, donc nitrogène, est à 20,6, donc c'est quasiment la même chose et c'est beaucoup plus sécuritaire parce que comme vous pouvez le voir, ici on envoie du gaz avec des pressions et des températures élevées, il peut y avoir de la casse, voilà, j'en ai fait les frais, voilà, il peut y avoir un peu de casse, donc soyez prudent. Je vous recommande personnellement de plutôt mettre une bouteille d'azote, voilà, tout simplement, dans votre système. Tant que votre machine est éteinte, vous pouvez prendre et remettre votre gaz canister, il n'y a pas de souci. Si vous enlevez votre gaz canister alors que la machine est en train de tourner, ça va tout vider d'un coup, mais vraiment instantanément. Donc ce qu'on va faire, c'est que là-dedans, j'ai une température de 1173 degrés, une pression de 15 mégapascales. Pour ce faire, en fait, j'ai tout simplement mis du fuel que j'ai envoyé directement dans ce four avancé et j'ai lancé une combustion pour pouvoir chauffer tout le système. Donc là, on voit qu'à l'intérieur, même j'ai baissé. Je vais en remettre un petit peu pour vous montrer. Donc là, je mets juste 20. Je lance la combustion. Voilà, on va baisser. Je n'ai pas besoin de plus. Donc là, c'est stable. Et je vais vider une partie pour la remettre dans les tuyaux. Donc vous voyez que là, on est à 16, 17 mégapascales, 18. On va essayer de monter à une vingtaine de mégapascales. Ce serait déjà pas mal. Voilà, 20 mégapascales, c'est très bien. Vous pouvez voir en vous mettant ici que donc pour l'instant, via le cab analyzer, il n'y a rien de particulier. Via ce petit écran, on a pas mal d'informations. On a la pression dans la machine, voilà, la hot side température, le cold side, l'environnement operating efficiency. J'étais avec Creed, d'ailleurs je te passe le coucou, Creed qui est du coup un abonné qui est venu sur le Discord, ne oubliez pas. Vous pouvez également passer sur le Discord de l'FGC, mais j'en reparlerai en fin de vidéo. Donc qui est venu sur le Discord et on a découvert un petit peu le patch ensemble. Et chose à noter, vous devez utiliser votre Stirling Engine dans un environnement où il y a une certaine pression. Pas d'informations particulières sur quelle pression est la plus optimale. En tout cas, sur Mars, où je suis, ça fonctionne assez bien. Donc, ce qui va se passer, ça va aller très très vite. Vous allez voir. En fait, il faut surveiller, et c'est le plus dangereux, c'est que votre bouteille n'explose pas. Parce que ce qui va se passer, c'est que toute la chaleur et la pression là-dedans va passer dans la machine, va sortir par ici. Donc, la pression et la température vont s'équilibrer. Donc, vous ne pouvez pas le laisser longtemps comme ça. C'est pour ça que les plantes ont été ajoutées, je pense. Et il faut surtout aussi surveiller la pression dans votre bouteille, parce que je vous jure, ce machin, vous voyez qu'on là, on a une pression de 5 mégapascales, température de 20 degrés, tout va très bien. Attention, on va lancer le système, ça va aller très vite. Je lance. C'est parti, ça pompe. On voit qu'on a une efficacité de 100%. On est à 120 degrés, 8 mégapascales de pression. J'enlève tout de suite la bouteille. Et là, vous voyez ce qui s'est passé, je l'ai enlevé. Il n'y a plus rien eu dedans du tout, instantanément.
hop, je coupe ça. Et on peut voir ici que là, la température, vous voyez que ça s'est, enfin, ça s'est chauffé à une vitesse folle. Hein. Vraiment, ça a été très, très, très vite. Après, je suis sûr que je l'utilise de manière très, très mauvaise, si je puis dire. Ne faites pas comme moi. Vous allez trouver des moyens plus propres de l'utiliser. Moi, c'est vraiment plus pour l'exemple. Donc, on va recommencer. Donc, on a toujours une pression assez élevée, une température assez élevée. Hop, le potentiel, on a 6 kW. Hop, on coupe. Donc là, il n'y a pas de souci. Et vous voyez qu'en fait, dès que vous coupez, ça s'arrête instantanément. Ça s'arrête vraiment instantanément. Mais il faut surtout surveiller ici. Vous voyez que là, la pression est déjà à 7 mégapascales. Ça monte très, 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 très vite. Et on enlève. C'est pas grave, ça. Donc vous pouvez voir que par rapport au test que j'ai fait à l'arrache, entre guillemets, on peut avoir un potentiel de 6 kW, 6 kW et demi environ, voire même plus. Ce qui est quand même très élevé. Hein. C'est quand même ultra, ultra élevé d'avoir un potentiel aussi vénère. Pour recharger une batterie ou quoi, ça peut être assez intéressant. S'il y a des personnes qui sont calées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresserait de savoir vraiment comment utiliser de manière optimale ce Starling Engine. Parce que c'est un nouveau système qui ne coûte pas très cher à fabriquer. Ici. Voilà, vous voyez, ça demande du gold, du copper et du steel. Ça ne demande vraiment rien de fou, rien de transcendant. Et pourtant, le potentiel derrière peut être assez important. Donc, comme vous avez vu, vous pouvez mettre... Bon, là, j'ai mis un four avancé, mais rien n'empêche de mettre, par exemple, un four standard avec une valve. Vous faites vos fonderies et tout. Et quand vous avez fini, vous envoyez tous les gaz dans les tuyaux. Comme ça, vous pouvez vous en servir pour alimenter la Starling Engine, la faire fonctionner pour que ça soit optimal et que ça vous rapporte... Enfin, du moins, et que ça vous permette de vous générer de l'énergie de manière assez efficace. Et mis à part quelques correctifs, il n'y a rien eu... De plus, vraiment, il n'y a rien eu de plus. À part les plantes, mais ces fameuses plantes. Alors, le problème de ces plantes, je vais vous les montrer. C'est des plantes d'Hadès. Voilà, la Alpha Strain et la Beta Strain, donc les Hadès Flower, qui, apparemment, comme je vous l'ai dit, réchauffent l'atmosphère ou refroidissent l'atmosphère. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas les crafter. Du moins, eux, ils disent qu'on doit crafter ça via l'Organic Printer. Sauf que, pour rappel, ça fait déjà plusieurs mois que les devs ont enlevé l'Organic Printer du jeu parce que c'était trop pété. Vous pouviez fabriquer absolument tous les aliments, toutes les plantes sans... Enfin, à part en dépensant d'énergie, il n'y avait pas vraiment de contraintes. Et même en passant par le mode créatif, si je tape Hadès, et pas Hadès, si je mets plante, je ne sais plus comment il l'avait appelé, les thermogéniques, ces pousses-là, vous ne pouvez pas les avoir autrement actuellement que en passant par le marchand dans le jeu. Sachant que du coup, donc il faut déjà faire venir le marchand, donc il faut fabriquer la parabole, enfin du moins l'antenne, il faut que vous ayez l'ordinateur, vous ayez le pad de réception, vous ayez la machine de vente, et après bah, il faut chercher des vendeurs et puis espérer qu'ils arrivent pour vous mettre ces fameuses plantes. Donc c'est des plantes qui permettent de réchauffer et de refroidir l'atmosphère, qui vont vraiment servir surtout, je pense, pour la Starling Engine, mais même pour réchauffer ou pour refroidir une base, je pense. Donc à voir plus précisément comment ça fonctionne, j'ai pas encore regardé, et je pense que je vais regarder juste après ce petit passage. D'ailleurs, je vais le rajouter au montage maintenant. Donc, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, sur une petite partie. Je voulais vous montrer un truc concernant les plantes. Je réitère ce que j'ai dit. C'est quoi cette mage? C'est quoi cette mage totalement incompréhensible? Pour vous faire un résumé, j'ai essayé de faire pousser les plantes. Les plantes ne poussent pas. Et même au moment où j'arrive à les faire pousser, purée, j'aurais pas dû faire cette manière-là. Bref, au moment où j'arrive à les faire pousser, la plante est empoisonnée et elle meurt en l'espace de vraiment quelques secondes. Hein. Vraiment, c'est très, 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 très rapide. Ce qui fait que elle est non utilisable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici actuellement l'état de la pièce. Donc il y a 33% d'hydrogène, 67% d'oxygène et nous avons du polluant. Pourquoi il y a autant d'hydrogène dans cette pièce? Si vous allez sur le Stationpedia, que vous allez sur la partie du coup organique et food et que vous voyez les nouvelles plantes Hadès, vous pouvez voir qu'il faut un mix de volatiles et d'oxygène de 1 pour 3, environ un tiers, on va dire à peu près. Donc à peu de choses près, je suis sur un tiers. Même si c'est moins, même si c'est plus, en soi ça change pas grand chose, il vous faut quand même du volatile. Le truc, donc cette plante, il vous faut de l'hydrogène, de l'oxygène, mais elle dégage du polluant. On voit qu'il y a un peu de polluant parce que j'ai fait mes tests. Donc je vais prendre une pousse, je vais la planter. Voilà ce qui se passe. La plante dit que l'air est pollué. D'accord, il est pollué. Donc c'est quoi? C'est le X. Donc j'ai demandé sur le Discord de Stationnaires FR. Il y a Amshagar qui m'a répondu. D'ailleurs, merci à toi. Il m'a dit, est-ce que tu as essayé de filtrer le polluant en continu, si je puis dire? Bah écoute, je vais essayer pour voir si ça fonctionne, quoi, tout simplement. Donc, je fais mon petit polluant. Voilà. Donc... Je filtre mon polluant, il n'y a plus de polluant dans la pièce. Je laisse tourner le filtre, hein, bien évidemment, on ne va pas le couper en cours de route, il est trop bien. On remet notre plante. Même problème. Vous voyez que ça pousse d'un coup, mais l'air est pollué et la plante, elle meurt. Donc, j'ai montré à Amshagar
mes résultats. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a constaté sur du coup le Discord de Stationeers officiel, donc le Discord principal, qu'il y a un mec là-bas qui s'appelle Dargino, qui a parlé un peu de ce problème-là. Pour vous faire la traduction rapidement, lui, il avait carrément une pièce avec seulement 4% de volatile, ce qui est vraiment très très faible. Mais malgré tout, ses plantes étaient toujours empoisonnées. Et même dans le cas où ça fonctionne, apparemment, les plantes ne dégagent pas assez de leur température pour rendre de manière efficace leur intérêt. Dans le sens, je ne sais plus si c'est laquelle, si c'est celle-ci qui dégage, ouais, je crois que c'est celle-ci qui dégage de la chaleur, je ne sais plus. C'est tellement pas intéressant comparé à genre, récupérer de la chaleur d'un four ou d'un truc comme ça, qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser. Ce qui fait qu'en fait, comme je le disais au début de cette partie, l'intégration du système de plantes avec le fait qu'elles ne demandent pas du dioxygène, mais de l'oxygène et du volatile, c'est pas stable, ça fonctionne pas bien. On comprend pas pourquoi ils ont intégré ça, on comprend pas pourquoi ça ils l'ont intégré du moins dans cet état actuel, parce que l'idée est intéressante, mais actuellement c'est juste pas exploitable. Et en plus on peut l'avoir, comme je vous l'ai dit, on peut l'avoir en survie, c'est rare, il faut l'avoir via un vendeur, mais on peut les obtenir. Du coup, si vous en avez, vous allez obtenir des pousses non utilisables. Donc, pour l'instant, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc voilà, désolé pour vous. Si jamais vous trouvez une solution, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, je pense que je vous ai montré un peu l'ensemble des ajouts qui ont été faits sur le jeu. Assez déçu de la manière dont a été implémenté le patch, dans le sens où, même sur la miniature, on peut voir qu'apparemment, il y a des nouveaux placards que je n'ai pas trouvés, je ne comprends pas. En plus, quand le patch est sorti, le bouton power ici ne fonctionnait pas. Les plantes, pareil, j'ai essayé de les faire popper hier, ça fonctionnait pas trop. Enfin bref, c'est assez bizarre en fait. Le patch a été mis et j'ai l'impression qu'ils l'ont mis pour dire il faut qu'on sorte un patch tous les mois, quoi. Et je sais pas, limite j'aurais préféré peut-être qu'ils en mettent soit moins, soit qu'ils prennent peut-être plus le temps de le sortir. Après, j'imagine bien qu'il y a des contraintes de temps, etc. J'ai envie de dire, je pense que la communauté des gens qui jouent à Stationeers, on est patient. Je sais pas, je trouve qu'on est assez patient. Stationeers, c'est un jeu qui ne va pas toucher, on va dire, les jeunes de moins de 16 ans, entre guillemets, ou peu du moins. Les gens qui sont sur le jeu, ce sont des gens qui ont une certaine maturité. Et aujourd'hui, on n'est pas à 2 semaines près d'une mage. Donc j'espère juste que par la suite on n'aura pas trop de soucis sur les futurs ajouts et que les systèmes fonctionnent au moment de l'ajout, ou alors qu'ils précisent dans le patch qu'il y a encore des bugs, etc. Enfin bref. Et juste avant de vous laisser, il y avait un ajout d'une fonctionnalité qui permettait de lisser le terrain. Pareil, j'ai voulu la tester hier, ça ne fonctionnait pas. En fait, donc là je vous montre un peu, je me mets sur le côté. On va aller dans les settings directement, dans la partie advanced, et ici vous devez cocher smooth terrain. Voilà, c'est tout. Et logiquement, votre terrain est censé être plus smooth. Honnêtement, je constate aucune différence. J'ai essayé de recréer une partie en mettant le smooth terrain de base, ça n'a rien changé. Donc je sais pas, j'ai pas dû comprendre comment ça fonctionne également. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, la mage est intéressante. Le potentiel est très 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 intéressant. Vraiment, il y a un gros potentiel avec cette transmission d'énergie sans câble. Ça, c'est génial. La Starling Engine, elle a un potentiel de fou. Voilà, j'espère juste que ça continuera à aller dans le bon sens. Sachant que, pour rappel, ils avaient annoncé il y a plusieurs mois qu'ils avaient pour objectif de sortir la release dans un an. Et je crois que quand ils ont annoncé ça, on était en janvier-février. Donc, c'est-à-dire qu'il leur reste environ 4-5 mois pour sortir la release. Je suis pas encore convaincu, hein, je vais pas vous mentir, je suis pas encore convaincu, mais bon, on verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en l'air, à partager la vidéo, à passer sur le Discord de la FGC, la Fast Gaming Community, un Discord que je gère avec des amis où vous pouvez me retrouver pour poser des questions, jouer, discuter tout simplement. Et vous avez également le Discord Stationeers FR, qui est le Discord de référence de la communauté francophone de Stationeers, où vous pouvez aller là-bas pour discuter avec les gens, poser vos questions. Là-bas, les mecs, c'est comme d'hab, ce sont des machines, ce sont des boss. Moi, à côté, je ne suis qu'une petite âme qui se balade en train de continuellement apprendre comment fonctionne le jeu à ma vitesse. Et les mecs là-bas, c'est des gars en or, ultra sympas, toujours prêts à vous aider. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.